Oh shit! Ah, mais on va crever! Oula! C'est pour le punir? Ok, on continue et j'ai l'impression qu'on est deux maintenant. Du coup, c'est cool. Et on avance, seringue de santé, toujours pas de chaussures. Oula! Le pauvre. C'est horrible. Tu évites de me bloquer, s'il te plaît, merci. Vu que c'est assez difficile. Ok. On trouve des secrets cachés dans le. Dans la cave. Deuxième victime. Inspecteur, c'est votre obsession pour moi qui a détruit votre vie et qui vous a conduit ici. Comme un rat fuyant la lumière du jour. Je crois que vous connaissez quelqu'un. Qui c'est ce mec? Votre vieil ami de la police, Jennings Foster. Vous voudrez peut-être l'interroger sur le délit de fuite sur lequel vous avez travaillé? Enfin, s'il est encore vivant quand. Quand vous le trouverez. Pardonnerez-vous à celui qui a trahi la justice pour se protéger? Dépêchez-vous, inspecteur. Ok, on va devoir faire un choix. Soit punir un criminel, soit le sauver, je pense. On va sauver une personne, je pense. Les gars, faut sauver, faut pas punir les gens. Dossier lire? Ok. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette chaudière, mais elle est toujours en panne. Les joints ne supportent pas la pression de tous les radiateurs du bâtiment. Si on continue d'utiliser la chaudière comme on le fait maintenant, cela risque de très mal se terminer. Ray Watkins, gardien-chef. Ça peut être un engis pour après si on doit faire exploser un mur grâce à la chaudière. Wow! Pas de baseball ou la renfer, c'est mal la renfer. Ah d'accord, notre associé en fait il a dû écraser une personne et il a fait un délit de fuite. Et il l'a caché, il l'a enterré. En fait il a fait vraiment une mauvaise action, donc est-ce qu'on va le condamner, techniquement on le laisse crever? Ou est-ce qu'on lui pardonne? Non! What the fuck? T'es cuite, mec! T'es cuite! Non. Oh mon dieu! Bon, il l'a pas tué, il l'a juste kidnappé, normal. C'est horrible ce jeu. Bon! J'essaie de prendre la décision pour vous. On va essayer de faire un bon choix. Oula, le rat. Il est énorme. Ouais, moi, c'est machin. On le sauve, même s'il a fait une mauvaise action? What? Oh bah ça nous épargne le choix. Ami ou ennemi? Mais j'ai rien fait comme... J'ai pas trop compris en fait. J'ai pas trop eu le... Ok. D'accord. La clé est au fond du baril. C'est de l'acide ça, non? Mais what? On va se... Mais tu mets pas ta main dans de l'acide. Ok. On met ça dans l'acide. Mais pourquoi? Tu mets pas ta main dans l'acide, bordel de... Oh mon dieu. J'ai pas compris. On a pas eu le choix là. Il est mort direct. C'est chelou. Cartouche de fusil, fil de détente. Ok. Le danger vous guette. Vous avez vu, il y a un fil par terre. Heureusement. Heureusement. Désarmé. Heureusement. On se prenait un bouet de shot sinon. Oula, 3. D'accord. On a évité la mort encore. De justesse. Faudra ouvrir cette porte grâce à un bouton. Je pense qu'on va tuer quelque chose. Alors. Si je janitor au bas de Steam. Steam, c'est la valve. Donc va falloir trouver une valve. Donc on va voir le janitor. Bah, il est mort. Ok. C'est qui une valve? C'est qui une valve? Ok, merci. On va devoir trouver une valve pour avancer. Wow, shit! Oh mon dieu. Il est horrible ce jeu. Il est vraiment horrible ce jeu. Vraiment un jeu psychopathe. D'accord. Oh non! On a encore un piège sur nous! Autour de la tête.
Qu'est-ce qu'on a fait? Non. Pas ça, enlevez-moi ça! Je crois que c'est plein de petits trucs qui rentrent dans ma tête, ça. Genre des picouses. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je crois que c'est explosif même. Ok, alors. Darkness illuminates. Donc c'est le même truc qu'on avait eu tout à l'heure. Déverrouillé. Donc les ténèbres, ça illumine en fait. Est-ce qu'on va pas devoir casser ça? Oh non, pas encore. Pas encore. Ok, je viens à peine de comprendre que je pouvais bouger la souris vers la seringue. On attrape jamais de maladie à force? Moi je te fous. Ok, on ouvre. C'est parti. On a un bras mécanique. Bras de mannequin. Oh. Oh. Il y a quelque chose de gros qui est passé au-dessus de nous. Oula! Votre collier piégé réagit à certains ennemis munis du même collier. Lorsque vous êtes trop près l'un d'eux, le voyant à l'arrière de votre collier clignote, plus l'ennemi est proche, plus le clignotement se rapproche, votre collier explosera. Il faut pas qu'il se rapproche de nous! Oh shit! Casse-toi! 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 Ah, mais on va crever! Je vais crever! Mais dégage! Ah! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ferme la porte! C'est quoi ce jeu de psychopathe là? Il va me faire péter le con! Et on va péter à cause de ce con! Ramassez un balai! C'est pas le moment de faire le ménage les mecs! On va trouver le nerbi! Merde, il va arriver ce con! Je le sens! Clou! Ouais? Mon dieu, ça va être dangereux là, ça se rapproche trop. Hi! What? Oh non. Vous avez vu comme c'est chaud? J'ai la pression du gars. Oh mon dieu. Au revoir. Je me casse. Je peux faire le truc? Ah mais merde, ça s'arrête pas! Ça s'arrête pas! Faut que je le tape, hein. Ok. Lui est mort et pas moi. Cassette audio. Je l'avais même pas vu. Oh mon dieu, j'ai eu de la chance. Hein. Bon, ça va, je suis tranquille, je peux faire mes énigmes solo. Ok. C'est pas très précis tout ça. Allez, voilà. Yes, merci. Ah, il m'a mis la pression, le chip. On a un bras. On pouvait le taper avec ça, en fait. C'était une arme. Il y a beaucoup d'endroits, là. Je vais voir ce qu'on a ici. Il m'a fait stresser, le gars. Laisse tomber. Ici, on a un clou. Ah! What the fuck? Bah, viens, je te défonce. Merde. Apparemment j'ai du mal. Ah il est lent mon perso. Ah ça va mec. Mais il frappe. Oh, comme il est lent. Je suis où là? Esquive. Je sais pas du tout. Frappe. Ah mais putain. Ah les gars, c'est trop. Enfin! Oh mon dieu, il est lent! Yes! Allez, t'es mort. On va aller là. Un grenage. Il en faudra plusieurs? Ouais, je peux en mettre un petit du coup. C'est bon. Cartouche, pansement, prends tout. Ok, merci. J'ai un peu du mal à me repérer. Wow! Non, ça fait deux. Non, ça fait deux fois, j'ai oublié. Bon, les gars, on va éviter de mourir 8 fois du même piège
Désarmé. Enfin. Enfin. Ah, j'en ai marre de crever. André. L'électricité, on n'y va pas. C'est le fusil, vous pouvez l'utiliser. Ok. Pour activer le compteur électrique. Oula. C'est à quoi ça me fait penser? Dans SCP, Containment Breach, quand le mec il traverse la porte Tesla. Beaucoup de rats ici. Fermé de l'autre côté. Okay, je peux me remettre de la vie. On va le faire. Je pense pas que c'est le meilleur endroit la seringue dans la nuque. Bon, où est le compteur? C'est ici. Je pense qu'on peut passer. Je pense qu'on peut déverrouiller surtout. Voilà. Ah, on a enfin la valve. Tous les verrous ont leur clé, inspecteur. Oh non! C'est le gars dont on nous a parlé. Quoi? Il y a quelqu'un? Oh shit. Est-ce que je peux remettre le piège derrière moi? Je vais réactiver les mecs, hein. Je suis obligé. Faut que je me sauve. Sinon je vais crever. Ah! Ok. Au revoir, monsieur. Pardon, monsieur. Ok, j'ai ma valve. Je peux revenir en arrière. Tu m'as pas vu, toi tu m'as pas vu. Au revoir. C'est où? C'est ici? Ok. C'est ici. On ferme derrière nous. C'est ouvert. D'accord. J'ai peur qu'il me suive. Installer le fusible, il me faut un fusible. Ah, je crois qu'il me poursuit encore. Je vais repasser. Il y avait un fusil. Ah! Don't make this difficult. Yes! Oula! C'était risqué pour moi. Allez, on avance. J'ai pas envie de me prendre un piège de merde. Comment ça? Ça va, le dégât de chute, c'est rien. Oh shit. Ok, on est revenu à l'endroit où je peux mettre la valve, c'est ça? Ok, des soins et rien d'autre. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, pas encore! Outil électrique. Faut que je fouille là. Porte scellée. 4. Coupleur. Là. Allez. On a le coupleur. Là. D'accord, c'est bon. Il est bon. Il va être bon, je vous le dis, mec. C'est bon. Yes. Yes, yes, yes. On s'en sort bien. Ouais, c'est ici. Yes. Utiliser. Voilà. Faire attention parce que je pourrais laisser passer des gens en fait si je les laisse trop de vapeur. What? Non, il a planté! Je peux ouvrir, mais ça reste un danger pour moi. Vous voyez de l'autre côté? Bon, on va monter. On va monter. Encore l'équilibre là ou pas? Non, on va passer là. Ok, donc on se faufile, allez. Franchement, l'ambiance du jeu elle est vraiment pressante. Ok, il est mort là. Oula. Faut pas descendre ici, les gars. Shit. Y'a tout qui pète à cause de la chaudière. Fil, on est plein de fils. Je sais pas encore à quoi ça sert le fil, j'ai pas trop compris. D'accord, vous avez vu où on est descendu? En fait, on a fait le tour pour descendre ici et le mec est parti. Et si j'utilise la balle, ça fait quoi? D'accord.
peut avancer, mais du coup, les criminels pourront avancer pour nous tuer. Fermez la porte. Oh shit. Ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, il met des coups de couteau, l'enfoiré! Non, trop tôt! Oh, attendez, on va se mettre un petit coup de seringue. En marchant, parce que c'est toujours mieux. Oula, il veut pas, il veut pas. Ah, il a pas envie que je me soigne. Viens, je te mets un gros coup, mec. Non! Trop tôt! Je me rends cause de la valve. Shit! Il est mort aussi. Lui, je vais le buter d'entrée, je pense. Ok, bon, il a gagné. Il a encore gagné. Je pense qu'il a encore gagné. Il met des esquives et tout. Oula. Yes, enfin. Il est un peu empoté, notre perso. Il fait pas honneur. Ça nous emmène. On dit que c'est un labyrinthe même, de toute façon. Ok, on devra redescendre encore à côté. C'est pas vraiment compliqué pour l'instant. Voilà. C'est bien que je puisse le remettre derrière moi au cas où il y a un ennemi qui me suit. Dans les profondeurs. Ah bah c'est bien qu'ils aient mis le sous-titre. On se reprend. Petite barre de fer, ça va faire du bien. Allez, je remonte. Là je trouve que c'est un peu trop calme quand même, hein. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ok, une batte cloutée, ça c'est cool. Alors. Ok, donc j'ai enfin trouvé l'engrenage. Voilà, on a la batte qui fait mal. On va les défoncer. C'était comme ça à peu près. On mettra une pause. Color room. Ok, petite sauvegarde, c'est pas cool ça. On va se faufiler. Ok, il y a un timing, je vais attendre. Je suis mort. Oula, c'était limite, j'ai l'impression. D'accord, on est bon, c'est parti. You have made into the earth of the ball. On arrive au cœur du ball. What? Y'a quelqu'un, pitié, aidez-moi. What the fuck? Ouais, mais mec, mets pas des coups de poing dans le vent comme ça. J'ai bien envie de l'aider. Mais je crois qu'il faut lui jeter des briques dans la gueule, apparemment. What? Shit, non! J'avais pas vu! Donc je pense, vu que je me suis pris un piège, je pense qu'il faut pas qu'il se prenne les pièges. Il va falloir le sauver. Donc. Non. Pourquoi tu veux me taper, mec? Est-ce qu'on doit le faire crever? C'est ça la question. Je veux cette putain de clé. Oh, rien du tout. On va le leurrer. Ah, il va mourir avec moi, hein. Ah, miskin, il va crever. D'accord, c'est fait exprès en fait. Est-ce que je dois le tuer vraiment? Moi j'ai pas envie de les tuer, les pauvres. C'est une galère pour eux. Merde, il a entendu. Oula, il s'est pris deux pièges. Celui-là, je sais pas si ça l'a activé. Il va venir ici. Ah, il a pris tout seul, voilà. Il a pas entendu? Vous avez gâché ma vie. J'ai rien fait. What? Mais comment il sait que je suis là? Aïe. J'ai pris une brique. Je vais essayer de la tirer dans le gaz là-bas. Ici là, est-ce qu'il... Je vais essayer de le faire crever ici là-bas. Va voir là-bas si j'y suis. Elle va chercher la brique, mec.
Ah, je le prends un coup de batte, c'est bon, il m'a gonflé. Mec, t'as une box sur la tête et je perds. Il a une pasta box sur la tête. Comment je fais pour perdre? C'est Minecraft le chip. Allez, viens. Yes. Je me laisse tranquille maintenant. T'avais quoi sur toi? Ah, on est obligé de les tuer. C'est dommage, hein. Moi je pensais qu'on pouvait en laisser en vie. On peut armer les pièges, ça c'est bon. Alors. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, d'accord, non, c'est pas compliqué, d'accord. Lui a l'air correct. Yes. Ok, c'est bon. What? Oh putain. La pression est trop puissante, faut qu'on se casse. Oh shit! 2 minutes 30! On rentre! On rentre au bercail! Allez, on se tire. Je reviens en arrière. S'il vous plaît, faites que c'est ça. Oh shit! Ouais, c'est ça. Je vois que dalle. Donc il y a encore la pression. Je vais mourir là, non? Non, c'est bon, je peux y aller. Ça va péter encore. C'est là? Yes, c'est là. Ok, il y a du chill à gousse, mais on arrive ici. Oh mon dieu, il y a tout qu'à péter. On arrive ici. On était assez rapide pour se sauver. On va voir. Non, j'ai réussi à sauver quelqu'un. Il dit qu'on a, on agit seulement pour sauver les autres, mais il se trompe. Ok. On va devoir sauver quelqu'un encore, le mec. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Oula, il a brûlé. L'obsession d'un homme peut le mener à sa destruction. On avance. On va essayer de sauver la dernière personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, deux. De plus en plus vite. On va éteindre le feu. Yes. Comment sortir? Oh non! Aïe! Mais c'est pas comme ça qu'on... Au revoir. Aïe, ça fait mal. Et non, j'ai voulu taper. Et il tape trop tôt, il met trop de temps, mais c'est compliqué. Oula, ça doit faire mal. Ouais, c'est des clous, mec. Je suis désolé. On a eu un petit slow motion. C'est son piège qui fait du bruit. Oh, j'ai eu peur. Quand j'entends un petit bruit comme ça, ça me fait peur. Et j'avais complètement oublié le délire de clous au sol. Hein. Bien que j'étais pieds nus. Ok, il est mort. On a déverrouillé un grenage. Oula, non, je déteste cela. Il faut être au bon moment, faut être synchro en fait, c'est chiant. Allez, on avance. On va sauver la dernière personne. Jigsaw, tueur au puzzle. Ah, c'est un zombie qui vient de passer là, les gars. Comment ça? Non! Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, pourquoi vous faites ça? J'ai fait de mal à personne, c'était juste... J'étais dans un bar et je devais rentrer, il est au milieu de la rue, il a surgi devant moi. Donc ça c'est notre associé là qui avait tué quelqu'un en l'écrasant, il avait fui. Vous avez piégé un innocent. C'était qu'un sale ivrogne, un multirécidiviste, c'était pour le bien de tous. Ah, il a fait exprès! Il a fait exprès, ouais, mais pour la justice il y a un juge monsieur, je vais pas le tuer moi. C'est pas moi de le tuer, c'est pas moi la justice. Vous devez bien comprendre ça. Ah, c'est l'appareil photo. Une photo vaut plus que milliers de mots. C'est vrai que c'est une meilleure preuve. Trouve la vérité. Oula, c'est stylé ça! C'est grave stylé. Pas de piège au sol, c'est tout ce que je veux savoir moi. Heureusement qu'on a photo illimitée. Push and pull your way forward. Pousse et tire ton chemin. Oula, il y a du cochon là.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas halal tout ça, les gars. Ah, on peut les pousser, nice. J'ai fermé derrière moi, c'est ce que c'est une bonne chose, je sais pas. Ok. Oula, les bruits de pas au-dessus. L'ambiance, elle est incroyable. Ah, ça va. Complètement pas vu. Il est de l'autre côté. Il y a des coups de verre de partout là. Un mec au fond. Je peux armer, hein. Je peux armer le piège. Il va venir sur moi. Ok, c'est quoi, on va armer le piège maintenant. Vas-y, viens mec. Il va mourir devant nous, regardez. Donc ça sert à ça les fils de détente. Oh là là, c'est incroyable. C'est tellement stylé. J'aime trop. Oh, le karma. Ok, vous avez vu le karma que je me suis mangé dans la gueule? C'était incroyable. Cette fois on fait bien les choses. C'était tellement épique comme je suis mort. Et bim! Allez, ça c'est fait. J'espère qu'il n'y a pas d'autres pièges, sinon je vais passer pour un con encore. Il y en a beaucoup des ennemis, il y en a plusieurs? Oula, il y en a beaucoup, 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 il y en a beaucoup. Allez, viens là. Bam! Putain, c'est cool, hein. À la filer comme ça. Ah, mais s'il y a le temps! Pauvre, on peut pas le sauver? On peut pas te sauver, mec? Mec, je crois que je pouvais rien faire, hein. Désolé. Oula. Oula, oula. Oula. Désolé, je savais pas, moi. J'ai cru qu'il a explosé, moi, j'ai pas compris. Passe par ce piège. Prends-toi le piège. J'ai plus le temps d'armer. Aïe, 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 aïe. Je peux pas armer? Je peux plus rien armer? Aïe, ma batte fétiche. C'est pas celle-là, ma batte fétiche. Je sais plus c'est laquelle. Elle fait pas chier, toi. Voilà, franchement, c'est mieux les coups de poing. À la rigueur, les coups de poing, c'est beaucoup plus rapide. Ok, on a les clés de la salle. Ouf. On pourra aller ici. Fils de détente. On va récupérer tous les fils de détente. C'est trop pratique en fait. Hein. Je savais pas que c'était autant pratique. On va pas crever. Voilà, on désarme. Cocktail Molotov. What the fuck, mec. Hop là. Et là, bah c'est bon. On y va. Ok. Je dois dire c'est bon. Oula. Oula. Ok. Vous sentez l'embrouille là? D'accord. Ah, ça va le couper, ça va descendre de plus en plus. Ouh, ça va être chaud. Bonjour Jennings. Alors que vous étiez ivre au volant, vous avez tué un sans-abri. Oh, c'était un sans-abri le pauvre. C'est pas cool. En tant que policier scientifique, vous saviez quoi faire. Mais vous n'avez pas réussi à effacer la culpabilité, pas vrai? Vous avez même envoyé un innocent en prison à votre place? Tout ça pour garder votre vie parfaite? Ah non, les gars, c'est pas cool, hein. Vous n'avez pas pu empêcher la culpabilité de vous ranger. Ah, c'est vraiment pas cool ce qu'il a fait. Vous verrez vraiment ce que vous avez en vous. Ah oui, bah là c'est sûr. Par contre, désolé mec, je suis pas très fort en engrenage, hein, donc tu risques de crever. Je vais faire de mon mieux. Écoute, je vais faire de mon mieux. Alors. Normalement, ils ont pas mis du trop compliqué. Pour moi, parce que je galère. Oula! C'est pour le punir? Non, c'est pas pour le punir.
J'ai eu peur que j'étais en train de punir en fait. Ok, il est remonté. On s'en sort bien. Il y a plusieurs endroits à faire. Oula. Attendez. Oula. Mec, tu vas crever, je pense. Ça devient complexe là. Attendez, on va commencer par en bas. On va faire comme ça. Oula, tu vas mourir, mec. Je suis désolé. Ils mettent un peu la pression là. Gros. Yes. Yes. Je crois que je suis en train de te sauver la vie, mec. Derrière. Oula. Mec, ça va être vraiment chaud pour ta gueule. Comment je vais faire, moi? Oula, tu vas crever. Tu vas crever. Tu vas crever. Là, je vais mettre un moyen. Là, je vais mettre un peu de chien. On va faire un gros. Oula, c'est dangereux. Yes, ça marche. Nickel. Et le dernier. Là, on est en train de le sauver, mais le dernier, je pense, ça va être chaud. Là. Là. Oula, faut faire un tour complet pour celui-là. Moyen. Petit avec le gros. Petit, moyen. Oula, c'est vraiment un jeu de fou celui-là. Tac, tac. Ok, je pense qu'on va enlever le gros, il est gênant. Il est gênant. Le moyen. Yes! Je crois que c'est bon. Oh mon dieu. Ouh, c'était limite les baloches. Mec, on t'a sauvé la vie. Mais t'es un enfoiré. Mais tu es un SDF. Espèce de sale fumier. On a rien fait, on lui a sauvé la vie. Connard, Nunji. You're the reason he picked me. You. Me? You killed a man. You a murderer. Ah ouais, c'est un meurtrier, les gars. C'était un STF, il n'avait pas de famille. Il comptait pour personne. Ah, mais c'est une vie humaine, mec, t'es sérieux? Il a envoyé un innocent en prison en plus. Et on l'a sauvé, mais je pense qu'il va pas s'en sortir. C'est vrai qu'il a détruit deux vies en vrai. You know what, Tap? We're all here because of you. So save me the preaching, all right? I'm not dying so you can catch the boogeyman. C'est un enfoiré. Il va crever, je le sens. Je sens qu'il va mourir. Peut-être pas par nous, mais il va mourir. Sinon, il va se retourner contre nous et on va être obligé de le buter.